Seigneur, nous sommes devant ta face. Bwana tuko mbele ya uso wako. Et à présent, nous avons besoin de ton assistance. Sasa tunapenda usaidizi wako. Nous avons chanté des chants. Tuliimba nyimbo. Nous t'avons loué. Tulikusifu. Nous avons exposé nos problèmes. Tulikuonesha mambo yetu. Et maintenant, nous voulons entendre ta parole. Sasa tunapenda kusikia neno lako. Que ce soit toi qui parles. Ikuwe wewe unasema. Parce que ta parole a la vie. Kwani neno lako kuna uzima. Et que chacun de nous. Na kila mmoja wetu. Reçoive ce que tu nous donnes ce soir. Apokee ile unatupatia magharibi. Dans le nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu. Amen. Que notre frère a lu dans Jacques. Hii andiko ndugu wetu alisoma mukitabu ya Yakobo. Dit ceci. Inasema hivi. Soyez donc patients, frères. Mukuwe na kuongojea ndugu. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Kufika na pale Yesu atakuja. Nous voyons que cette parole s'adresse principalement. Tunaona sema hii neno inaelekea zaidi. C'est-à-dire elle s'adresse particulièrement. Inaelekea zaidi. À ceux qui seront là. Kubale batakuwako. Lors de l'avènement du Seigneur. Siku Yesu atakuja. Alors il explique. Na eko na tafsiri. Voici le laboureur. Munaona mulimaji. Attend le précieux fruit de la terre. Eko naongoja mavuno ya matunda ya bulongo yake. Prenant patience à son égard. Eko naongoja na kuangalia. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Ufika paka pale atapata mvula ya mwanzo na ya mwisho. Vous aussi soyez patients. Nyinyi vile vile mkuwe na kongojea. Affermissez vos cœurs. Mukankamishe mioyo zenu. Car l'avènement du Seigneur est proche. Kwani kuja kwa Bwana ni karibu. On nous donne ici l'exemple d'un laboureur. Banatupatia mfano ya mlimaji. Et il est montré que ce laboureur. Na banaonesha sema ule mlimaji. A semé dans sa terre. Alipanda mubulongo yake. Le laboureur n'est pas celui qui fait tomber la pluie. Mulimaji ana ule kunaangusha mvula. La pluie tombe selon les saisons. Mvula ikunaanguka kufuatana na wakati. Il y a la pluie de la première saison. Uko mvula ya mwanzo. Et il y a la pluie de l'arrière saison. Na mvula ya mwisho. Que ce soit la pluie de la première ou de l'arrière saison, c'est toujours la même pluie. Ikuwe mvula ya mwanzo au ya mwisho ni mvula moja moja. Seulement les pluies de la première saison, elles sont fines, elles sont légères. Mvula ya mwanzo iko teketeke iko ya mpepo. Et la pluie de l'arrière saison, elle est abondante. Na mvula ya mwisho iko ya mingi. La pluie ne change pas la sorte de semence. Qui est en terre. Mvula haiwezi kubadilisha hali ya mbegu iko mbulongo. La pluie ne fait qu'humecter la terre. Mvula iko na lobanisha tu mbulongo. Si vous avez semé un grain de tomate. Kama uliweka mbegu ya tomate. Et que la pluie tombe. Na mvula inaanguka. Vous pouvez jeûner. Unaweza kukufunga maombi. Vous pouvez prier. Unaweza kuomba. Vous pouvez l'entourer avec de belles fleurs. Unaweza kujungulisha na maua mzuri. Et chanter tous les jours de beaux cantiques. Na kuimba siku zote nyimbo mzuri. La tomate ne donnera jamais du maïs. Tomate haitatoa mingi. La tomate donnera de la tomate. Tomate itatoa paka tomate. Si vous avez semé du maïs. Kama ulipanda mwindi. Quoi que ce soit que vous fassiez. Yote utafanya. Le maïs donnera du maïs. Mwindi itatoa paka mwindi. Parce que chaque semence se reproduit selon son espèce. Ceci est important. Vous ne pouvez pas semer la tomate et puis espérer que lorsque la pluie viendra, ça va donner des arachides. Vous ne récolterez que ce que vous avez semé. Maintenant le travail du laboureur. Sasa kazi ya mlimaji. Lui il laboure la terre. Yeye kuna pindula bulongo. C'est ça qu'on l'appelle le laboureur. Joel banamuita mlimaji. Il sème la semence. Na anapanda mbegu. Mais il ne peut pas faire tomber la pluie. Lakini hawezi kuangusha mvula. La pluie viendra toujours en son temps. Mvula itakuwa paka wakati yake. Lorsque le temps de Dieu arrive. Wakati ya Mungu inafika. La pluie vient. Mvula inakuja. Maintenant les deux pluies, c'est-à-dire la pluie de la première saison. Ile mvula mbili, mvula ya mwanzo. Et la pluie de l'arrière saison. Na ya mwisho. Ont une tâche. Iko na kazi. La pluie de la première saison, mvula ya mwanzo, s'attache, kazi yake, ce que la semence qui a été semée, ni kusema ile mbegu balipanda, puisse mourir, juu ikufe, qu'elle puisse pourrir, ioze, afin que la vie qui est dans la semence, ili uzima iko ndani ya mbegu, puisse jaillir.
pate kutoka. Alors la plante est d'abord faible. Muti ku muzaifu. Elle est d'abord tendre. Iku teke teke. Et avec les pluies de la première saison. Na ile mvula ya kumwanzo. Et le soleil. Na jua. La plante grandit, grandit, grandit. Muti ku nakomea, inakomea, inakomea. Peut-être que les fleurs apparaissent. Saingi ni maua itatoka. Et quelques fruits apparaissent. Kisha matunda kiloko inatoka. Ceci est très important. Hii ni kitu ya mafaa. Nous allons voir quelques exemples. Tutaona mfano ingine ingine. Dans la Bible. Mu Biblia. Il est dit ici. Hapa banasema. Dans Amos au chapitre 4. Kitabu ya Amos ine. Ici c'est en rapport avec la pluie naturelle. Hapa ni kufuatana na hii mvula ya kiasili. Kundi ya Israeli ilitenda dhambi. Parce que dans Deutéronome, kumbukumbu la Torati, au chapitre 28, chapitre 28, Dieu leur avait dit, Mungu alivelezea, si vous obéissez à ma voix, kama munatii manjia yangu, j'enverrai dans vos champs les pluies de la première et de l'arrière saison. Mitatuma mashamba yenu mvula ya mwanzo na ya mwisho. Et vous aurez du blé en abondance. Mutapata ngano ya mingi. Vous aurez des biens en abondance. Mutapata bintu vizuri vya mingi. Maintenant toujours dans le même Deutéronome 28. Il dit que si vous désobéissez à ma parole, sasa kama muti neno langu, et vous marchez selon vos propres pensées, na munatembea kufuatana na mawazo yenu, je n'enverrai pas la pluie de la première et de l'arrière saison. Sitatuma mvula ya mwanzo na ya mwisho. Et alors vos terrains seront desséchés. Bulongo yenu itakauka. Et ici Israël avait fauté. Hapa Israël alifanya dhambi. Et au verset 7. Mstari wake 7. Et moi je vous ai refusé la pluie. Na mimi nimekataria mvula. Lorsqu'il y avait encore 3 mois. Wakati kulikuwa miezi tatu jusqu'à la moisson. Mbele ya kuvuna. J'ai fait pleuvoir sur une ville. Mina angusha mvula yule mji. Je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Na sikuangusha mvula kwa mji mwingine. Un champ a reçu la pluie. Shamba moja ilipokea mvula. Un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Na ingine haikupokea ilikauka. Quand la semence a été semée, wakati walipanda mbegu, la première pluie, mvula ya kwanza, ne peut pas permettre que la semence parvienne à la maturité. Hawezi kuleta mbegu ifike mkipimo kukomea. Pour la moisson, juu ya kuivuna, la première pluie, mvula ya mwanzo, fait croire, iko na komesha. Ça permet à la semence de croire. Iko na patia nguvu mbegu iote. Comme nous l'avions lu dans Marc, sabi tulisoma kitabu ya Marko, au chapitre 4, sura ya chapitre yake ya 4. Verset 26. Il dit encore. Anasema tena. Il en est du royaume. Inafanana tena na. Comme quand un homme jette de la semence en terre. Sawa mtu anatupa mbegu mgulongo. Qu'il dorme ou qu'il veille. Alale au alamuke. Nuit et jour. Si kuna jua. La semence germe. Mbegu iko na ota. Et croit. Na kukomea. Sans qu'il sache comment. Pasipo kujua semeko na ota na mna. La terre produit d'elle-même. Mgulongo iko na itoa yoyo. D'abord l'herbe. Mbele majani, vous voyez, munaona, la première pluie permet à la semence de croître. Mvula ya kwanza iko na leta nguvu kumbeko kuota. Mais ce n'est pas directement. Aina mara moja tu. Que le grain qu'on a semé. Mais pale mbeko ile balipanda. Est retrouvé. Unaweza kuiona. Non. Apana. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Paul anasema mu Corinthiens 1:15. Il dit ceci. Anasema hivi. Regardez au verset 36. Au 36. Insensé. Fumbafu. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ile unapanda haiwezi kuwa na uzima mpaka kama inakufa. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Ile unapanda haina ile mwili itaota. C'est un simple grain de blé. Ni mbeko tu ya ngano. Peut-être. Pengine. Ou d'une autre semence. Au mbeko ingine. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Kisha Mungu anapatia mwili mpaka vile anapenda. Et à chaque semence, na kila mbeko, il donne un corps qui lui est propre. Anampatia mwili hili na fanana na hali yake. D'abord la semence tombe. Mbele mbegu inaanguka. Quand la première pluie vient. Wakati mvula ya kwanza inaanguka. C'est d'abord l'herbe. Mbele ni mayani. C'est d'abord de l'herbe. Mbele ni mayani. Et puis ensuite. Kisha. On regarde. Unaangalia. C'est un épi. Kisha ni kipunji. Et puis sur l'épi. Na kukipunji. Il y a la balle qui apparaît. Huko makanda inajulia kipunji. Et dans la balle. Na ndani ya makanda. Il y a le grain. Huko mbeko. Ce grain là. Ile mbeko. Ne pourra jamais être. Haiwezi kuya. Comme le grain. Sawa mbeko. Qui était au commencement. Sale kwa kumwanzo. Si la dernière pluie ne vient pas. Kama hakuna mvula ya mwisho. C'est une loi naturelle. Ni sheria ya kiasili. C'est pour cela que Dieu a dit dans Amos. Ndio kwa maana Mungu alisema mu Amos. Je n'ai pas envoyé la pluie. Sikutume mvula. Quand il restait 3 mois pour la moisson. Pale mbele ya
miezi tatu ya kuvuna. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mambo kali ilifanyika. Le champ s'est desséché. Mashamba ilikauka. La vie est partie. Uzima ulienda. Vous avez compris? Unashikia? Dans Luc au chapitre 8. Muluka munane. C'est ce que Jésus dit. Ndio ile Yesu anasema. Dans Luc 8. Luka munane. Il explique. Eko nasema. Il dit. Anasema. Une parabole. Anasema fungo moja. C'est au verset 4. Ni verset 4. Maintenant au verset 6. Fusita. Il dit une autre partie tomba sur le roc. Anasema kipande ngine ambeko ilianguka pa maibu. Quand elle fut levée. Wakati iliota. Elle s'échappe. Ilikauka. Parce qu'elle n'avait point d'humidité. C'est-à-dire que l'humidité et la pluie ne changent rien à la semence du bien-aimé. Alors le semeur doit veiller à la sorte de semence qu'il sème. Si la semence qu'il sème est un grain de maïs et qu'il n'y a pas dedans le germe de vie, le grain va mourir, le grain va pourrir, mais il ne va pas lever. Il n'y aura rien. Il n'y aura absolument rien. C'est comme si le champ n'avait pas été ensemencé. Mais si le grain a en lui le germe de vie, alors le grain pourra lever. S'il n'y a pas de grain, même si une abondante pluie tombe, la pluie n'amène pas la semence. S'il y a la semence, et il y a une très belle semence, mais il n'y a pas de pluie, la semence ne pourra pas croître. Ça, ce sont des lois naturelles qui sont retrouvées aussi dans le spirituel. Dans le spirituel, la semence, Luc 8, 11, c'est la parole de Dieu. Le champ, Mashamba, c'est votre cœur. Votre cœur, on doit y semer la parole de Dieu. Maintenant, ça dépend de quelle semence vous semez. La semence de Dieu, c'est sa parole. Jean 1, 4, elle a en elle la vie. L'homme aussi peut venir avec sa semence. Quand il vous donne sa semence, si vous prenez la parole d'un homme, vous vous ensemencez par la parole d'un homme. Si vous prenez la parole d'une église, si vous ensemencez par la parole d'une église, si vous recevez la parole d'un homme, d'un prédicateur, vous vous ensemencez par la parole de ce prédicateur. C'est pour cela que les brebis de Dieu n'acceptent que la parole de Dieu, parce que c'est la seule semence qui a la vie. Aucune autre semence ne peut donner la vie. Un homme, s'il a sa femme et il lui donne sa semence, ça ne peut pas donner un chien. Ça ne peut pas donner une vache. Parce que chaque semence, Genèse 1, 11, se reproduit selon son espèce. Et la semence est placée dans la terre par le moyen de la parole de Dieu. La parole parlée, c'est elle la semence originelle. Lorsque les prophètes ont parlé, la parole a été mise sur écrit. Elle est devenue la parole écrite. La lettre tue. Cette parole qui est ici ne peut rien produire tant qu'elle est ici. Si elle vient là, elle ne produira rien. La connaissance offre. Mais si cette parole tombe dans le cœur, cela se reproduira selon son espèce. Quelle est son espèce? Nous devons connaître l'espèce de la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de nouvelle naissance.
Lorsque nous parlons de Golgotha, wakati tunasema mambo ya Golgotha, et de toutes ces choses, na hii mambo yote, nous désirons que le peuple parvienne à une certaine position. Tunapenda kundi ipate kupata hali kani. Dieu dans le jardin d'Eden, Mungu mubustani ya Eden, avait dit donc à Adam, alimwelezea Adam, multipliez-vous, alane, remplissez la terre. Dunia, c'était la parole parlée. Neno c'était une semence. C'était une promesse. Elle devait avoir son temps d'accomplissement. Comme c'était la parole parlée, neno s'ils avaient cru neno, et attendu na kongojea, le temps de Dieu, ya Mungu, cette parole-là, aurait produit une semence comme Dieu voulait. Parce que c'était la parole parlée qui est la semence originelle. Mais Eve n'attendit pas le temps de Dieu. Elle se précipita. Elle accepta l'interprétation de Satan. Et elle amenaça à Adam. Et ils interprétèrent la parole. Et comme cette semence se reproduit selon son espèce, comme il avait été connu par le serpent, la semence du serpent se reproduit selon son espèce. Cain, la Bible dit dans 1 Jean 3 que Cain était du malin. Cain n'était pas le fils d'Adam. Cain avait en lui la nature de celui qu'il avait engendré. Quand elle connut, quand Ève connut Adam, se laissant connaître par Adam, wakati Adam alijua Eva, sa matrice était déjà souillée. Tumbo yake ilikuwa imechafuka. Et elle avait déjà produit la mort. Elle enfanta Abel, qui était fils d'Adam, mais qui avait en lui la mort, pour que votre matrice puisse produire correctement. Il ne faut pas que la semence soit mélangée dedans. C'est ce que nous avions vu hier. Lorsque la parole est venue à Abraham, et que Sarah avait reçu la parole de la promesse, Dieu n'a pas permis que les circoncis d'Abimelech mélangent sa semence dans Sarah, sinon serait produit une mauvaise sorte de semence. Dieu devait veiller sur sa parole. Et ceci est capital. Lorsque la semence à l'image de Dieu est apparue sur la terre, Jésus, Yesu, le Fils de Dieu, mwana wa Mungu, il était la semence de Dieu, alikuwa mbegu ya Mungu, il était la semence rendue manifeste. Alikuwa mbegu yenye kuonekana. Qui était-il? Alikuwa nani? Il était Genèse 3:15. Dans Genèse 3:15, Mwanzo 3:15, il est dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa semence et ta semence. Mais la femme n'a pas de semence. Par cette parole, Dieu montrait que la parole qui était venue à Ève et que Ève avait interprétée et n'avait pas pu porter la semence, la même parole reviendrait à une femme. Cette femme croirait et elle produirait ce que Ève n'avait pas pu produire. Adam et Ève devaient multiplier la terre. Adam na Eve baripasha kuzidisha dunia par le moyen de la foi en la parole de Dieu. Ils devaient produire une naissance virginale. Mais ils ont été incapables.
Eve a interprété. Eva a ritafsiri. Et Adam l'a suivi. Na Adam a rufuata. Et la promesse montrait. Na malaki kunonesha. Que cette parole. Ya kama ile neno. Remplissait. Iliala. Et multipliait la terre. Ya kuyaja dunia na kudumu. Bien que eux l'avaient interprété. Ata vile bo bari tafsiri. Un jour. Siku moja. Elle devait quand même s'accomplir. Ipasha kutimizwa. C'est ainsi que la parole a été adressée à Eve, lui disant que la parole reviendra à une femme. Et ce que toi tu n'as pas pu faire, une autre femme le fera. Elle prendra la parole. Elle ne connaîtra pas d'homme. Elle ne va pas mélanger. Et elle produira un fils de Dieu. L'image de Dieu. Jésus est le premier né de la nouvelle création de Dieu. Adam n'est pas né. Adam a kuzaliwa. Adam a été créé. Adam barimumba. Adam a été fait. Adam barimufanya. Adam a été engendré. Adam barimufanya. A été formé. Adam barimufanya. Mais Jésus, sasa Yesu, a été engendré barimuzala par la semence de la parole de Dieu. Kutokea kwa mbegu ya neno la Mungu. Et la foi en la parole de Dieu na imani ya neno la Mungu a produit la parole faite chair. Ilitoa neno mwili. Amen. Mais si Jésus est le premier né, kama Yesu ni mzaliwa wa kwanza, c'est qu'il doit y en avoir d'autres. Ni kusema kuna pasha kwa bengine, des fils et des filles de Dieu. Batoto banaume na banamuke ba Mungu. Qui devront naître pasha kuzaliwa, de la même manière namna moja, que Jésus-Christ. Sawa Yesu Christ. Comment namna kani, engendré benye kuzaliwa, par la parole. Kwa kutokea kwa neno. Si le premier engendrement, kama kuzaliwa kwa kwanza, par la parole, kwa njia ya neno, a produit Christ. La parole faite chair, neno ili kujifanya mwili. Dieu est obligé Mungu anapaswa de respecter cela. Kuheshimia ile kitu. Et tout engendrement de la parole kuzaliwa kote kwa neno produira encore unapaswa kutoa tena Christ. Christ. La parole faite chair, neno ili kujifanya mwili. C'est cela que cela devait produire. Joye unapaswa kutoa. L'Église doit comprendre sa position. Kanisa inapaswa kushikia hali yake. L'Église, Dieu veut qu'elle monte. Mungu anapenda kanisa ipande. Dieu veut que nous ne puissions pas rester des enfants. Mungu anapenda tubaki watoto. Dieu veut que nous devenions des adultes. Mungu anapenda tukome. Nous allons un peu voir ces choses. Tutaona mbele ile kitu. La parole de Dieu, neno la Mungu, lorsqu'elle est interprétée, tafsiri, nous l'avions vu hier, jana, elle a produit un inconverti, un enfant illégitime. Ismaël était le premier-né d'Abraham. Ismaël alikuwa mtoto wa kwanza Abraham. C'était lui qui devait être l'héritier. Ni yeye alipaswa kuwa mrithi. Mais il n'était pas né akuzaliwa selon la volonté de Dieu. Kufuatana na mapenzi ya Mungu. Il n'y avait pas akukue une parole de promesse, neno moja malaki, pour la descendance d'Ismaël. Dieu a kuzaliwa kwa Ismaël. Et Dieu ne l'a pas considéré, Mungu akumwangalia, comme étant le fils d'Abraham. Sawa mtoto wake Abraham. Dans Genèse 22, Mwanzo 22, Dieu dit à Abraham, Mungu anamwelezea Abraham, prends ton fils, beba mtoto wako, ton unique fils, mtoto wako moja, celui que tu aimes, ule unapenda. Mais c'est étrange. Dieu n'appelle pas Ismaël fils. Dieu dit de Isaac qu'il est le seul fils d'Abraham. Parce que celui qui est considéré comme enfant de Dieu, c'est celui qui est né de la parole de la promesse. S'il n'y a pas de parole de promesse, vous n'êtes pas considéré comme enfant. Ismaël pouvait dire, Abraham est mon père. Ismaël pouvait dire, j'adore le Dieu de mon père. Mais Dieu, pour être le Dieu d'Abraham, avait conclu une alliance avec Abraham. Et il a fait Abraham des promesses. L'alliance était basé sur la grâce. Il a dit Abraham, Abraham, je t'ai choisi. Amen. Qu'est-ce que
que ça veut dire? Ni kusema nini? Il a plu à Dieu. Ili mufurahisha Mungu. De prendre Abraham. Kuchakula kubeba Abraham. Sans condition. Pashipo kuangalia mambo. L'alliance ne disait pas. Agano ilikuwa kusema. Abraham. Abraham. Si tu ne mens pas. Kama ulongofie. Je serai ton Dieu. Nitakuwa Mungu wako. Ça ne disait pas. Agano ilikuwa kusema. Si tu ne triches pas. Kama uibie. Je serai ton Dieu. Nitakuwa Mungu wako. L'alliance disait. Agano ilikuwa kusema. Abraham. Abraham. Je t'ai choisi. Mina kuchakula. C'est tout. Kunaisha. Abraham crut à Dieu. Abraham alimwamini Mungu. Dieu a choisi Abraham par la grâce. Mungu alimchakula Abraham kwa njia ya neema. Et ensuite, kisha, il lui a donné une promesse. Alimpatia malako. Alors, kisha, l'Éternel wa milele devint anakuwa le Dieu d'Abraham. Mungu Abraham. Vous comprenez? Unasikia? Et plus tard, kisha, lorsque Abraham était mort, wakati Abraham alikufa, dans le livre de Genèse au chapitre 26, si je ne me trompe pas, mu kitabu wa Mwanzo 26, Dieu vient vers Isaac. Mungu anakuja kwa Isaac. Et il conclut la même alliance avec Isaac. Anafanya agano moja moja tena na Isaac. Il donne la même promesse à Isaac. Anampatia ile malako moja moja Isaac. Il ne l'a pas fait avec Ismaël. Akufanye ile na Ismaël pouvait adorer Dieu. Ismaël aliweza kuabudu Mungu. Ismaël n'avait pas de promesse. Ismaël hakuwa na malako. Ismaël n'avait pas d'alliance. Ismaël hakuwa na agano. Il n'était pas né sous la base d'une promesse. Akuzaliwa chini ya malako. Mais Isaac Isaac, il était né sous la base d'une promesse. Il avait une alliance avec Dieu. Dieu lui avait parlé et lui avait donné des promesses. Et lui, il avait cru en Dieu. Et alors, il a pu suivre Dieu. Si vous n'avez pas de promesse, comment pourrez-vous servir Dieu? Parce que Dieu est un Dieu de promesses. Il donne des promesses à ses enfants. Ses enfants sont des enfants de la promesse. Galates 4:28. Et les enfants de la promesse, ils reçoivent l'Esprit promis. Acte 2:38-39. Dans les choses de Dieu, cette promesse est promesse. C'est pour cela que nous devons prendre garde dans le temps dans lequel nous vivons. Il y a plusieurs semences qui sont semées. D'abord par notre naissance naturelle. Il y a eu une semence naturelle. C'était la semence de notre père. Il y avait un sein naturel. C'était le sein de notre mère. Dans la naissance spirituelle, il y a un père spirituel. C'est Dieu. Il y a une semence spirituelle. C'est sa parole. Il y a une matrice spirituelle. C'est votre pensée. Maintenant, tout ce que vous semez dans votre pensée va vous ensemencer. La parole dénominationnelle, elle fait des croyants dénominationnels. C'est une semence. Et beaucoup, sans s'en rendre compte, peuvent avoir entendu le message du temps d'affaire, mais au lieu de semer la parole, ils sèment une semence dénominationnelle. La semence dénominationnelle recherche beaucoup de membres. La semence dénominationnelle fait des prosélytes. La semence dénominationnelle fait des croyants d'assemblée. La semence dénominationnelle, on la voit dans Matthieu 23. Là, Jésus s'adresse aux pharisiens et il leur dit ceci. Verset 15. Malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre. Vous allez prêcher et pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, deux fois plus que vous. La semence dénominationnelle se réconforte dans sa
dénomination. La semence dénominationnelle se réconforte dans les œuvres de sa dénomination. La semence dénominationnelle ne regarde pas à Golgotha. La semence dénominationnelle regarde à son pasteur. Et beaucoup ont des semences dénominationnelles. Ils regardent et leur foi est basée sur la dénomination. Il y a aussi une semence pentecôtiste. Elle, nous la voyons dans Matthieu 7, au verset 21. Disons verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Atukutabiri kwa jina lako? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Atukufukuza ba demoni mu jina lako? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Atukufanya miujiza mingi kwa. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Mishi mijuwake. La semence pentecôtiste, mbegu ya kize, ya elle recherche les dons. Iko natafuta. Ils sont derrière le don. Ils veulent parler en langue. Ils veulent prophétiser. Ils veulent avoir des visions. Ils veulent avoir des songes. Je crois au songe. Mais je crois au songe qui vient d'en haut. Nous croyons aux visions. Nous croyons aux dons. Mais la Bible dit dans Jean au chapitre 1. La Bible dit Jacob. Jacob. Jean chapitre 1er, Jacques 1, Jacob Moja, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout don parfait, pas les dons imparfaits. Les dons imparfaits ne descendent pas du Père de Lumière. Tout don parfait dans lequel il n'y a pas d'erreur, ce sont ces dons-là qui viennent de Dieu. Et ce sont ces dons-là que nous croyons. Mais nous ne courons pas après les dons. Nous courons et nous cherchons à saisir le donateur. Quand vous avez le donateur, vous aurez les dons. Mais vous pouvez avoir les dons sans avoir les donateurs. Judas chassait les démons. Jésus leur a donné la puissance. Dans Matthieu 10, pour ressusciter les morts, chasser les démons, guérir les malades. Et lui aussi, il était là. Et lui aussi a ressuscité les morts. Il a chassé les démons. Et ils sont revenus vers Jésus. Ils disent, Maître, les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus dit oui. J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais Judas était fils de la perdition. Le problème, c'est quelle sorte de semence. Judas était la mauvaise semence. Même s'il vous recevait des quantités de pluie, il ne pouvait pas changer. Sa nature demeurait telle qu'elle était. La semence pentecôtiste court après les dons. Alors Satan entre en scène. Parce que Satan imite tous les dons. De la prophétie jusqu'au parler en langue, les songes, les visions, il interprète tout. Il n'y a qu'une chose qu'il ne sait pas prendre, c'est la parole de Dieu. Quand il apprend, il ne peut pas la placer correctement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Jean chapitre 8. Verset 43.
Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Dieu nini amushiki mseme wangu. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Dieu amwezi kusikia neno langu. Vous avez pour père le diable. Baba yenu ni diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Unapenda kutimiza mapenzi ya baba yenu. Il a été meurtrier dès le commencement. Alikuwa muuaji tangu mwanzo. Et il ne se tient pas dans la vérité. Na yeye kalake mkweli. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ukweli haina ndani yake. Lorsqu'il profère le mensonge. Wakati kuna landa. Il parle de son propre faux. Il kunatokea ndani yake. Il est le il est menteur. Yeye ni wa bongo. Et le père du mensonge. Na baba yake ya bongo. Quand Satan veut prendre la parole, wakati Satan anapenda kubeba neno, il ne peut pas se tenir dans la vérité. Hawezi kukaa katika kweli. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ukweli haina ndani yake. Si nous parvenons à nous tenir dans la vérité, kama sisi tunafika mkipuo kama mkipuo, simplement ni kusema, parce qu'il est dit, juu na la profondeur, ukisima appelle la profondeur. Haita kisima. Avant la fondation du monde, Dieu nous avait prédestinés à quelque chose. Alors il avait placé par prédestination la semence dans notre cœur. On ne connaissait pas la parole. Mais quand on venait avec l'interprétation, même si je n'ai jamais lu, je dirais que ce n'est pas ça. Et puis ils sont venus avec autre chose. Et on a dit ce n'est pas ça. Mais lorsqu'on a entendu la parole, nous avons dit, voilà ce que je cherchais. Le diable ne peut pas le faire. Il n'a pas de vérité en lui. Et nous revenons donc à nos semences. Il peut imiter tous les dons. Mais il ne parviendra jamais à placer la parole de Dieu correctement. Voilà pourquoi la Bible dit. La Bible ne dit pas celui qui est envoyé de Dieu. Guérit les visions. Celui qui est envoyé de Dieu donne des prophéties. Celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Jean 3:36. C'est là que nous devons nous tenir. Nous devons commencer Jean 3, verset 34. Makumi tatu na ine. Celui qui est envoyé de Dieu ule Mungu anatuma, dit les paroles de Dieu. Eko nasema maneno il y a beaucoup de faux songes. Kuko ma ndoto mingi. Il y a beaucoup de fausses visions. Kuko maono mingi ya bongo. Le drame avec les gens du message du temps de la fin. Mambo ili tunayo ya bantu ba ujumbe wa wakati wa mwisho. C'est que le tremplin sur lequel nous sommes partis. Ni kusema pale banashimamia juu kuruka. Était la Pentecôte, c'est-à-dire banashimamia mukipatekotisme. Le retour des dons. Kurudisha mazawadi. C'est de ce tremplin là que nous sommes partis. Juu pale banashimamia juu kurukia. La restauration de la parole. Kurudisha kwa neno. A commencé du temps de Luther. Ilianzia kwa wakati Luther a ramené la justification. Luther a l'état où il s'avie au par la foi. Wanjia imani. Wesley est venu. Wesley a recouru. Avec la sanctification. Na utakaso. Par la parole. Wanjia neno. Et la Pentecôte sont venus. Na Pentecôte s'est recouru. Avec le retour des dons. Na kurudisha kwa. Et alors Dieu a envoyé. Na Mungu alituma. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Une promesse avait été faite à l'église. Comme elle avait été faite à Ève. À Ève, quand elle était tombée, il lui a été dit, la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Ça veut dire que la parole que tu as perdue là te reviendra. À l'église du Nouveau Testament, dans Actes 3:19, Pierre dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous est destiné, Jésus-Christ, qui doit rester dans le ciel. Jésus doit rester dans le ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. La promesse était faite que la parole reviendrait à l'église du temps de la fin. Cette promesse est en Malachie 4. Les hommes disent que Jésus est revenu en 63. Le 28 février. 28 février.
La Bible dit que Jésus ne peut pas revenir avant le rétablissement de toutes choses. Même s'il voulait dire que la parole est rétablie, toute la parole n'a pas été rétablie le 28 février. Puisque le 28 février, il lui a été dit, retourne à Jeffersonville pour l'ouverture des sceaux. Et là, à Jeffersonville, il a compris des choses qu'il ne comprenait pas avant. Et alors Jésus serait-il venu avant même que la parole ne soit rétablie? Ce n'est pas possible. D'abord, la parole de rétablissement, c'est une promesse. On doit la croire et attendre le temps de Dieu. Ensuite, vient le rétablissement. C'est la loi de Dieu. Et alors le malheur des croyants du message, c'est qu'on est parti sur le tremplin de la Pentecôte. Mais la Pentecôte n'était que la balle. Nous ne devons pas prendre le modèle de la Pentecôte. Nous devons prendre le modèle de la Pentecôte là-bas. À Jérusalem. C'est là le modèle qui est le nôtre. Comment la Pentecôte a-t-elle eu à Jérusalem? Jésus, le Fils de l'homme. Il avait le ministère du Fils de l'homme. Il était la semence. Il était la parole faite chair. Il était toute la parole de Dieu. Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Tout ce qu'Adam avait perdu, Jésus l'était. Est-ce que vous comprenez? Là où Adam avait désobéi, Jésus avait obéi. Là où Adam avait douté, Jésus a eu confiance en Dieu. Là où Adam a échoué, Jésus a vaincu. Là où Adam a amené la condamnation, Jésus a amené la justification. Là où Adam a amené la séparation avec Dieu, Jésus a amené la réconciliation. Là où Adam a amené le péché, Jésus a ôté le péché. Là où Adam a apporté la mort, Jésus a apporté la vie. Il était tout ce qu'Adam avait perdu. Il était le Fils de Dieu à l'image de Dieu. C'est pour cela que le jour de son baptême, Dieu a dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir de demeurer. Dieu n'avait pas demeuré en Adam, mais Dieu a demeuré en Jésus-Christ. Il était la semence de la parole. Il était le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme sème des fils de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible dans Matthieu 13. Le Fils de Dieu sème le Fils de l'homme. Sème des fils de Dieu. Le ministère du Fils de l'homme permet à amener les fils de Dieu à maturité. Quand Jésus marchait, il leur a donné la parole. Il a donné parole sur parole. Il a donné parole sur parole. Mais comme il était la semence et qu'il était lui-même le germe, il n'y avait pas moyen que les hommes reçoivent le Saint-Esprit tant que Jésus était sur la terre. La plénitude divine était en lui. Dans Jean 16, il dit, il vous est avantageux que ce monde aille pour que vous receviez le Consolateur. Ils disent que la plénitude divine est en Branham. Qu'il soit venu
qui ne sont pas venus, les arbres en compte, les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit. Mais avant que Jésus vienne, personne ne pouvait expérimenter la nouvelle naissance. Il était le premier, né de la création de Dieu. Il devait mourir, il devait pourrir, afin que sa vie puisse revenir sur les semences dans lesquelles la parole de Dieu a été semée. C'était la loi de Dieu. Il fallait que cette semence soit frappée. Il fallait qu'elle meure. Il fallait qu'elle tombe en terre. Il fallait qu'elle pourrisse. Et ainsi, le jour de la Pentecôte, c'était des hommes qui avaient reçu la parole de Dieu en abondance. Mais tant que la pluie n'est pas venue, la parole ne peut pas produire ses fruits. Avez-vous compris cela? Si la pluie n'était pas venue, il ne pouvait pas produire du fruit. Et le jour de la Pentecôte, il y a un bruit violent, un vent impétueux qui entra dans toute la salle. Pour la première fois, le ciel fut ouvert afin que le Saint-Esprit tombe sur des hommes et des femmes. Et ils reçurent le baptême du Saint-Esprit. Et alors ils se levèrent des semences exactement les mêmes comme la semence qu'on avait vue, c'est-à-dire Jésus-Christ. La même semence. Jésus disait, le Fils ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Quel ministère était-ce? C'était le ministère du Fils de l'homme. Il pouvait par moment dire, femme, ta foi t'a guéri. Là, ça dépendait de la foi de la femme. Mais quand le Fils de l'homme lui-même, son ministère entrait en scène, il disait, le Fils ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Jean 5, 19. Qu'est-ce que c'était? Le Père lui donnait une vision. Quand le Père donne une vision, c'est qu'aux yeux de Dieu, l'affaire est achevée. Elle est terminée. Elle est réalisée. À ce moment-là, que tu crois ou que tu ne crois pas, la chose aura lieu. Alors il pouvait venir vers le malade dans Jean 5 à la piscine de Bethsaïda. Il a déjà vu une vision. Il lui dit, mais toi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Alors il lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Ça ne dépendait pas de sa foi. C'était quoi? Jean 14, 12. C'était Jean 5, 19. Le Fils faisait ce qu'il pouvait faire au Père. Le jour de la Pentecôte, quand le baptême du Saint-Esprit vint dans la première église, elle était à l'image de Jésus-Christ. Pierre est passé devant la porte appelée la Belle au temple. Il a vu cet homme malade, paralytique, qui lui demandait de l'argent. Pierre le regarda et lui une vision. Il dit que l'homme avait la foi. Il ne lui a pas dit, si tu crois que Jésus, non, il n'a pas fait de prière. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Il s'est levé. Il ne lui a pas dit, si tu crois. Non. Il lui a dit, lève-toi et marche. C'était un ordre. La parole de Dieu ne sort pas à vide. Quand elle sort, elle doit faire ce que Dieu veut. Amen. Au temps de la fin, il y a eu le même ministère. Le ministère du Fils de l'homme. Père Branham
n'était pas le Fils de l'homme. Mais le ministère du Fils de l'homme était révélé en lui. Comment? Il pouvait dire à un homme, si tu crois, tu seras guéri. Mais un jour, un homme vint vers lui. Et il le regarda. Et lui dit, je vois que tu n'as pas d'enfant. Toi et ta femme, va. Wende, au nom de Jésus, Yesu, tu auras une fille. L'homme est parti. Arenda, et les dénominationnels na zebu, se sont moqués de lui. Bari, il est revenu dans la ligne de prière. Ana, et il a dit à Frère Branham, Frère Branham, prie pour moi. Branham, quand tu m'avais parlé, j'avais cru. Miriamini. Mais quand je suis parti, j'ai douté. Frère Branham lui dit, Branham, je ne t'avais pas dit, koneshe, si tu crois, que tu doutes ou que tu ne doutes pas, tu auras une fille. Alléluia. Qu'est-ce que c'était? Jean 5, 19. Qu'est-ce que c'était? Les œuvres que Jésus avait faites, il faisait les mêmes. Nous aujourd'hui, nous prions pour vous, selon que le dit l'Écriture, Marc 16, Jacques 5, 17. Si tu crois, il te sera fait selon ta foi. Mais un jour, quand la dernière pluie va venir, que tu croies ou que tu ne crois pas, tu seras guéri. Alléluia. Mais pour que la parole en arrive là, il faut les pluies de la première et de l'arrière-saison. Maintenant, l'ensemencement est fait. C'est la première pluie. Vous recevez la parole. Vous êtes baptisé du Saint-Esprit. La parole grandit en vous. Et vous avancez dans les promesses de Dieu. Mais quand la dernière pluie viendra, cela va secouer le monde entier. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, vous vous lèverez. Qu'ils croient. Ou qu'ils ne croient pas, ils seront obligés de reconnaître que Dieu est avec nous. Aujourd'hui, ils peuvent douter. Mais Jésus n'est pas venu en vain. Nous ne sommes plus des hommes. Nous sommes des fils de Dieu. Et nous devons être comme Jésus était. Nous ne nous précipitons pas. Nous attendons patiemment le temps de Dieu. Nous mettons parole sur parole. Parole. Et quand la pluie va venir, ce sera un bruit qui va secouer tous les véritables croyants. Amen. Il était divin, lui, Jésus. Il devint homme pour que nous, nous devenions des dieux. Il est mort pour que nous ayons la vie. Il a été en enfer pour que nous allions au ciel. Il est ressuscité pour confirmer sa parole. Il est monté au ciel et nous a donné le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église se laisse placer. D'abord, la mécanique. D'abord que la mécanique soit en ordre. Que la parole soit en ordre. Tout enfant de Dieu qui est de la parole se laissera mettre à sa place. Avec la première pluie, tu es encore faible. Mais déjà tu germes. Alléluia. Tu es encore faible. Mais déjà tu grandis. Il y en a qui ont des petits fruits, d'autres des plus gros, d'autres n'ont que des fleurs. Ce n'est pas un problème. Quand la pluie viendra, nous produirons des fruits. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Louons notre Dieu. Comprenons que c'est un temps de patience. Et que notre Dieu va bientôt confirmer sa parole. Tous ensemble, prions le Seigneur. Et ce qu'il promet, il accomplit. Ce que Dieu veut. Il est Mungu anapenda. Se croire ce qu'il dit. Ni kuamini ile konasema. Et vivre dans la foi. Na kuishi katika imani. Dans ses promesses. Malako yake.
peuple de Dieu, kundi la Mungu, nous devons tenir debout comme une armée puissante. Nous devons croire dans ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a rachetés. Il nous a sauvés. Il nous a pardonnés. Par sa parole, il a fait de nous ses enfants. Nous devons croire que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et ce que Dieu promet, il va l'accomplir. Il y a des choses merveilleuses qui viennent. Nous croyons que ce sera ainsi. C'est la promesse de la dernière nuit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour l'onction que tu nous as donnée ce soir. Parce que la Bible dit que ton onction nous enseigne toutes choses et ton onction nous conduit toujours dans la vérité. Nous sommes contents, Seigneur. Nous n'avons rien à te donner. Nous te disons merci. Va à nos cœurs. Nous te les offrons. Fais de nous ce que tu veux. Nous nous abandonnons entièrement à toi, Seigneur. Révèle-nous ta volonté. Nous ferons ce que tu vas nous demander. Merci, Seigneur. Maintenant, nous allons partir. Bénis le frère qui a parlé. L'homme se fatigue, mais c'est toi qui renouvelles la force d'un homme. Donne-lui encore de nouvelles forces, une nouvelle santé, afin que plus ça continue à te servir. Fortifie nous aussi, Seigneur, que nous ayons toujours les aides de venir écouter la parole de Dieu. Que ta paix nous accompagne sur le chemin de retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.